Les frérots, au début de la CAN, on est obligé de représenter les frérots. Bon tournoi à toutes et à tous pour les frérots africains. Moi, personnellement, je sais pas qui je vois gagner. Moi, je pense les favoris, c'est Sénégal, Maroc. Et il y aura peut-être une nation un peu surprise. J'espère que ça va être un bon tournoi, les frérots. Il a promis hier, il a fait joli maillot, l'OL. Les gars, on est obligé en fait. Avec ce maillot-là, ça serait peut-être l'histoire si je fais le deuxième 20-0. Les frérots, bienvenue à toutes et à tous sur une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Grand merci, les frérots, de votre soutien. Que ça soit sur Twitch, également sur YouTube. Muchas gracias, amigos. Et aujourd'hui, les gars, c'est simple, c'est la bagarre en FUT Champions. Et puis voilà les amis, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Et je vais vous montrer quelque chose les gars, avant qu'on commence. Le football tout simplement les gars. Mais je sais pas s'ils pourront voir. Tu vois pas de fou l'exter. J'ai annoncé l'extérieur tombe. Avec le petit greedy les gars, supplément greedy pour... Bon, le greedy c'est pour les caméras. On va le revoir une dernière fois au ralenti. Je sais pas voilà. Si vous pouvez voir l'effet extérieur. Tu vois pas vraiment bien l'effet, mais en fait ça part vraiment comme ça. Voilà. Ouais, Vincent, je reconnais qu'il a un petit playstyle plus extérieur. Après, c'est pas le playstyle en or, c'est un petit playstyle extérieur. Tu vois, il a pas fait l'évolution tir en extérieur comme Philippe Anderson. Non, c'est juste pour montrer à la future génération, ceux qui vont venir sur Twitch. Voilà ce qui se passe, tu vois. Ouais. Pour être titulaire. Ouais, je vois. Juste avant qu'on commence, j'ai que 75 000 crédits. Et je vais vous montrer pourquoi. Je ne suis pas allé sur Futbin, vite fait. Je vais vous montrer les frérots pourquoi. Parce que ce matin, je me suis réveillé. J'avais 1 084 000 parce que j'ai vendu mes Tariq Lemti. Je les avais achetés 27 000 la semaine dernière. Et je les ai revendus 37 000 hier soir. Il était 2-3 heures, on rentrait du bowling. Et je suis allé sur. C'est les gars, c'est une dinguerie. Je suis allé sur Futbin et j'ai checké le prix de Lemti. Et ils étaient chers. Donc je me suis dit, je vais les vendre. Ce que j'ai fait, les frérots, avec. C'est que j'ai acheté des 90 et des 91 à 70 000 pour De Bruyne ou 50 000 pour les 90. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, Vince il va vous montrer ça. Pourquoi les goats? Pourquoi les goats? Parce que je te montre le client, mais voilà, il a acheté des 90. Je me suis régalé, j'ai posé 1 million sur des très très gros fodders. Donc si on va sur Futbin, on va dans cheapest rating by player. Chiche. Et là en fait, cheapest player by rating. Et je vais voir les 90. En fait, ils étaient à 59 000 cette semaine. Tu vois, ils étaient à 59 000. C'était quand? C'était jeudi 59 000. Donc je me dis, parce que les gens vont sûrement terminer les gros SBC du style Mbappé, Zebio, Gullit, etc. Et comme plus personne va ouvrir de pack, tout le monde garde pour la Doty. Peut-être que ces gros fodders peuvent monter justement. Donc on verra. J'espère que ça va remonter à 60 000. Et même Kevin De Bruyne, je l'ai acheté 70 000. Il est remonté à 82 000, 83 000. Donc voilà. Si je peux me faire un petit peu près 10 000 crédits par carte, ça serait juste magnifique et ça serait le meilleur moyen pour moi de me faire un petit peu de crédit avant la Doty, les frérots. Je vous mens pas. Surtout que j'ai des crédits, donc autant l'utiliser. Et j'ai aussi 100 points FC. J'ai vu dans la boutique, parce que ça me saoule d'avoir juste 100 points FC, les gars. Je vais pas vous mentir, ça me saoule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait ouvrir un petit pack. Il coûte 100 points FC avec ça. Voilà, c'est que des joueurs hors rares. Donc comme ça, on avance. Ouais, j'ai pensé que c'était Kevin De Bruyne. Voilà, c'est un 84. Ouais, non, j'ai abandonné les tournois. Il y avait trop de cheaters. C'est dommage. J'ai 2,84. Ok. Parce qu'il y a trop de cheaters. Les 100 points FC, je les avais gagnés parce que j'avais perdu une finale. En fait, j'ai même pas pu jouer la finale. Le mec, il a directement quitté et il a eu la win. Donc j'ai arrêté les tournois play, les gars. C'est bien dommage. Je vais pas rejouer tant qu'ils ont pas. Tant qu'ils ont pas fixé ça. Là, on est en 5 victoires, 0 défaite en Futchamps. L'objectif, c'est prendre du kiff. Et pourquoi pas chercher le deuxième 20-0 de l'année. J'espère avoir un matchmaking pas de zinzin. Je vous mens pas, les frérots. J'espère avoir un matchmaking plutôt simple. Et voilà. Mais sauf que là, il s'est mis dans une situation, les frérots, où il sera obligé de terminer le FUT Champions avec son attaque qui devient vieillissante, usée, martyrisée. 3 Twins Echo de suite perdus avec la même attaque. Il n'apprend pas les leçons. Il y a peut-être un monde où je teste des joueurs. Donc, les gars, ça va être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Vous savez quoi? On va tester Drogba. Si vous en avez marre de Léon, on va tester Drogba pendant quelques matchs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en 4-3 devant. Comme d'habitude, les gars, ça c'est mes tactiques. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais faire Daglish à gauche, Drogba, Philippe Anderson. On va le tester quelques matchs. On va voir, les gars, ce que ça va donner Drogba. En vrai, autant l'utiliser. C'est un joueur en prêt. On est juste avant la Totti. Par contre lui c'est buteur mon frérot. Ah ouais non je le fais jouer buteur et surtout faudra que je centre. Et comme ça c'est le petit jardinier à gauche pour les enrouer. Hein, par contre Vinswap, les gars l'évolution de Barcola incroyable. Je suis pas fait pour performer avant la Totti. Aïe aïe aïe. Ce qui serait aussi intéressant les gars pour le coup avec Drogba. J'ai pas forcément fait attention à ses stats de passe. Je sais que tu vois pour le coup, surtout quand tu joues un 4-3 devant. Avoir un buteur qui sait faire la passe ou qui sait délivrer des passes décisives, c'est quand même une facette de jeu qui peut être très intéressante. Et qui est obligatoire maintenant. Regarde l'extérieur. On va centrer. Vas-y, Drogba. Surtout si Zidane monte, tu vois. Hey, Drogba, j'adore cette mentalité. C'est pas grave si tu rates. Le plus important, c'est toujours, il faut revenir, il faut tacler. Le mois va être long pour l'OM.
Ouh la vache. Et contre le Shakhtar Donetsk, vous le sentez bien ou pas? Vous avez loupé le Panathinaikos? C'est un rendez-vous, ça sera un rendez-vous vraiment à pas louper là. Bien joué, Liam, essaie de mettre encore un dernier but, après on est bien. Après, mentalement, là, voir comment ça va tenir. C'est ça. Mais c'est vrai que pour le coup là, surtout avec la CAN, je pense que Marseille c'est bien un club de Ligue 1 qui va souffrir de la CAN. Ouais. Oh, le football en fait. C'est ça le football, c'est ça en fait le football. Oh, il a Loris. On va voir ce que ça vaut. Di Marco. Ça c'est le POTM Dybala, non? Mais les gars, il aurait une carte future star, no joke. Barcola, il aurait une. Mais tu crois qu'ils vont lui donner une carte future star double 5? Mais après il y aura une évolution, Liam. Rends dans ton match, Liam. Rends dans ton match. Au lieu de te concentrer sur moi, rends dans ton match. Liam, il peut faire un tournoi play. On prend. Et moi, les frérots, je suis obligé de mettre 100 000 crédits. Alors, certes, quand t'as 4 millions, c'est pas grand chose, mais c'est quand même 100 000 crédits, les gars. Mais Vince, tu vas pas les emporter. Par exemple, toi, tu les mets 100 balles, moi je peux pas. Tu vois. Mais tu vas pas les emporter dans ta tombe, Vince, les 100 000 crédits, Vince. 100 000 crédits à une semaine dans la Toti, Liam, tu sais ce que ça veut dire pour moi? Ça veut peut-être dire 3 Toti dans 100 000 crédits d'upgrade. C'est toi qui fais un peu merde! Oui, Felipe, tu vois, c'est ça d'avoir des évolutions qui sont sympas, Vince. Elles sont drôles. Non mais les gars, s'il vous plaît, faites-lui un pressing sur Barcola. Quand vous faites des évolutions, les gars, parlez factos. Quand vous faites des évolutions, vous mettez des sous ou pas? Moi, je pense pas, ça dépend. Non, les gars, parlez factos. Hey, tu vois ça? Tu vois, gamin? Tu vois ce que tu peux faire avec le playstyle extérieur? J'aurais préféré pas voir. Tu vois ce que tu peux faire avec le playstyle extérieur? Ouh, belle équipe. Vous le sentez bien, les gars, Liam, aujourd'hui ou pas? Vous le sentez en forme? Je sais pas, moi je trouve que je suis moins en forme que la semaine dernière. En fait, le truc aussi. Oh. Wesh! Ya. Oh! Chef! Oh! Chef! J'ai plus Drogba, mais j'ai Dalglish. Oui, le petit rebond on prend. Bien joué, Liam. Bien joué, mon frérot. Bien joué. Y'a rien à dire, les gars. Le mec en face, il joue bien. Dans ce genre de match-là, il faut pas s'attarder. Le mec était meilleur. Le mec jouait bien. C'est pas une défaite volée. We move, on part de l'avant. C'est qu'un fut champion. Tu joues pour un Fodor 87. C'est vrai. C'est ça qu'il faut que je me dise. Van bye. Ok. Liam, ça fait 3 Twinsico de suite qu'il a cette foutue attaque. Il a toujours pas vu la lumière. Et prends-moi l'espace Hector Hernandez dès que tu l'as. Pas de hors-jeu, le goal ne sort pas. Mamoué ! Fais-le pour eux, merde. Je suis pas dedans, putain. On est en train de voir un diamant au mur, les frérots. Ça arrive pas souvent. Allez, Felipe, c'est toi mon prince. Allez, mon prince, on y va. Vamos, hein. Il faut la casser cette série de défaites. Il faut la casser. Allez. J'ai l'impression d'affronter tout le temps les mêmes joueurs en défense. Les gars, je vous promets, j'ai rien fait. J'ai juste fait R1, j'ai rien fait. Je me suis dit, c'est sûr, le frérot, il va se livrer. Faudrait qu'on fasse une petite vidéo, peut-être, cette semaine, où vous nous montrez vos meilleures évolutions. Oh, magnifique.
Waouh, magnifique son buste. Oh, magnifique. Là, je me fais bosser là. Exactement, Wilfried. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, mon frérot. Bien joué. Je me fais bosser, lui. Hein. L'attaque, ça va pas. Liam, il est pas en confiance. Liam, il perd 3 tours, c'est quoi de suite. Le problème, les gars, c'est que. Voilà aussi, je pense, une des raisons du problème. Qu'on le veuille ou non, les ultras de Liam sont trop gentils avec lui. Et Liam, il perd 3 tours, c'est quoi de suite. On lui dit, c'est pas grave, Liam, c'est pas grave, c'est pas grave. On le brosse dans le sens du poil. Il est là, le vrai problème. Moi, je perds 1 tour, c'est quoi, voire même 2 tours, c'est quoi de suite. Et vous-même, les frérots, le pressing que je me prends de la part de mes ultras. De la part de Klimt Sifa, il est où ce foutu pressing de la part de Klimt? Les ultras de Liam qui le brosse dans le sens du poil. Les gars, il vient de perdre 3 Twin Seco de suite. Mais réveillez-le, mais sortez-le, mais je sais pas ce qui se passe. Moi, je prends un mauvais match le jeudi à 18h, tout le monde vient sur moi. Liam, il a pas de touchy, il a pas de meuf. Il a fait un 20-0 contre des gamins. Mais réveillez-le. Doucement, Vince. Respect, bro. Ah, lui, c'est l'évolution. Let me cook, bro. Et dès que je dis ça, voilà, là, voilà. Voilà ce que j'attendais. Ça, c'est de la bourre entre frères. On se dit les choses même si elles se font mal. Obligé de se sub, car si on compte sur le V et ses 14 une chanceuse, le club avancera pas. Tu t'es trompé de personnage. Pas de hors-jeu. Ça, c'est le football. Je sais reconnaître quand c'est le football, les gars. Une célébration qui vaut... Let me cook, bro. Let me cook. Maintenant, un Liam secoué. Vraiment, pour le coup, dos au mur. Il faut que je fasse minimum 15 victoires cette semaine pour récupérer mon évolution rouge. Comme j'ai fait 2 rangs 1 de suite. Là, on est le 5 dernier match, ouais, c'est le money time. Pas d'or, je tu continues, tu vas la taper quoi qu'il arrive. Les gars, il est venu sur moi, j'ai eu très peur. En fait, ça c'est un Liam méchant. Oh là là. Dommage. Tu vois, c'est pas ton milieu de terrain là, qui est défaillant, Liam. En mode MOC, Cruyff, je pense pas que ça bosse. Je pense que c'est vraiment pour le coup buteur cette année, Cruyff. Bien joué, Liam. Merci Liam. Fais-moi la faute en engagement, mon frère, au 0-0. Les gars, je jure, il y a des trucs dans le gameplay, les gars, je vous promets, c'est pas. Il y a des trucs qui cliquent pas dans mon gameplay. Bon, non, on aura fait les 14 cette semaine. Et vu la gueule de l'attaque de Liam, il est peut-être là l'exploit du week-end. Non, franchement, ça va. Hein. Ouais, goler, ça allait, bam, ouais. Ouh, l'équipe, elle fait très très peur. Affronter cette équipe maintenant à ce moment-là du Fut Champions, je me chie dessus. Bravo, Liam. Parce que Philippe Anderson, il a peut-être des fake stats, mais tu vois ce playstyle. J'aime quand Liam met une clim dans le chat, j'aime. C'est bien beau de faire le malin face à des Schweinsteiger et des Lampard. Bien joué Liam, t'as 15. Mets ta main contre un pauvre enfant malchanceux dans ce pack icône, horrible personnage. Quel odieux personnage. Quel odieux bien parlé, personnage. Bien parlé mon frérot. Mets ta main contre un pauvre enfant. Oh là là, Liam, bien joué. Le football est... Bien joué. Qu'est-ce qu'il foutait là, Théo? Ouh, il apprend dans la tête. Ouh, il apprend dans la tête, Schmeichel. Vite des mouchoirs, Liam. Vite des mouchoirs, les frérots. Par contre, mes ultras, ils sont malveillants avec toi, Liam. Voilà. Liam, en fait, il faut juste le secouer. Maintenant, on va réfléchir tous ensemble. On a une évolution carte rouge à mettre. Je pense. Je pense que c'est sur ce monsieur-là. Ah oui. Mais la carte héros triple menace, j'aime beaucoup aussi. En fait, il n'y a pas besoin de réfléchir, les amis. On valide tous les gars sur Yaya Touré, on est d'accord? Comment c'est l'évolution? Ah oui, vas-y, fonce. Ou sinon, tu le laisses en vert comme ça. Non, en vert, non. Bravo pour ce monsieur les gars, il a fait 16. On le sent essoufflé quand même. Non mais en fait c'est juste de temps en temps mon gameplay il a pas cliqué. Il existait pas, tu vois, j'étais... C'est comme ça, des fois on gagne. Des fois on perd. 16 victoires ça c'est quand même une belle perf. Sachant que j'ai été peut-être un petit peu moins bien ce week-end. Ça se prend et puis en vrai je vais pas te mentir.
ça sera des packs en plus à ouvrir pour la toiture. C'est exactement ça. Je vais juste par contre ouvrir les choix 84 plus. Ouh, je sais reconnaître quand il y aura le design des toties là qui vient bientôt arriver. Je pense que ça va être ça. La mise à jour des packs pour le design toties, oui, bien sûr. On va peut-être aussi ouvrir les packs 2000 campagne si t'arrives à les voir. J'arrive à les voir. Avec 1500 XP. Si mes calculs sont bons, officiellement on vient de terminer la saison. Ouais, saison terminée. Bah laisse les packs ici hein. Ouais, je vais laisser tous les packs ici les frérots. Par contre le petit choix, tu peux nous l'ouvrir non? Non, je vais prendre le 84x4. Qu'on me vienne plus me parler en me disant que le maillot il revient à Liam. Mais si, tu le touches plus vite. Faire un 16 avec ce maillot, je vais m'adresser aux Marocains. Voir Liam qui sort de deux rangs de suite d'affilée, mettre le maillot du Maroc et qui a du mal à faire 16. Ah voilà les gars, normalement le maillot il m'appartient maintenant. Non. C'est parti pour mes 3 choix 84+. Done deal, here we go. Le premier. Un choix qui fait froid dans le dos. Le boost. Ça va. Maintenant, on se contente. Non, on est obligé de se contenter de ça, en fait. C'est ça qui est horrible. Le boost, chef. Voilà. J'ai joué Fut Champions pour deux boosts. C'est pour ça que tu vas nous faire le petit choix, là. Le petit choix niveau 33, là. Non. Non, Vince. Ouais, je pense que c'était peut-être le dernier Fut Champions de Son et Leao. Je pense que la semaine prochaine, bon, j'aurai Mbappé et Totti, ça devrait faire l'affaire, je pense. Non, mais j'espère vraiment que j'aurai des bons attaquants cette année dans la Totti. Et puis le milieu de terrain, bon, de temps en temps, Zidane, je trouve de moins en moins bon. Je sais pas si vous partagez pas le même avis que moi. Je trouve lourd et je trouve que de temps en temps, je sais pas, il est moins dedans. Mais le défensivement, c'était bon. Walker aussi, Théo Hernandez, je pense que c'est bientôt la fin pour les deux. Donc voilà, on va tranquillement attendre la Totti en espérant paquer du lourd dans les prochains jours. Tu vas pas faire tes packs de mix campagne là sur l'appli web. On peut hein, mais on peut le faire hein. Les gars, ça c'est bon, du coup on est sur la web app, donc là tu peux voir aussi en même temps tous les packs que je commence à garder pour la Totti. But anyway, that's open. Ah ouais, non mais Vince, je te rappelle que t'as jamais été un grand joueur. J'en attends beaucoup des packs 11 joueurs 80 plus moi perso. Mais pack 5 joueurs 84 plus, il y en a un. Ça débite, hein. En vrai, j'ai des bons petits packs hein. Et aussi les gars, faites ces packs là, les packs 11 éléments joueurs or, faites-les parce que à la Totti, dès que ton club il sera vide, t'auras plus qu'à ouvrir ces packs là et t'auras 11 éléments et t'auras 10 joueurs hors rares, ce qui pourra te faire pas mal de petits player picks. Ça te demande que des bronzes ou des argents dans ton club, franchement fais-le. Là c'est... Hey, ah, ils sont là les coquins. Attends, on descend en plus en bas pour nous montrer aussi les autres packs. Ouais quand même. Allez c'est parti les frères pour mon premier pack mix campagne 84+, on aura... Oh. Oh. En vrai Liam qui a fait Philippe Anderson parce que justement il trouvait pas le Malen régulier. Eh bah tiens. En vrai ça va non? Eh bah tiens. Et le deuxième pack mix campagne 84+. Encore? Ah ça c'est moins fort. Ah. C'est qui le pro de Cavalero? Par contre si le pro il va très loin, ça peut être une super carte ça. Ouais à voir hein. Je sais qu'il a démarré à 85. Ouais ok sympa. Bah les frérots, si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et là du coup on se rejoint sur le compte du V où on va ouvrir son chouette cool. On va se régaler, on espère une grosse défaite sur le compte du V. C'est parti les frérots, merci de votre soutien. Moi c'est Liam. Moi c'est Vincent. Les frérots merci beaucoup. Ciao. Liam qui souhaite mon downfall. J'adore, j'attends que ça. Gros bisous les frérots, merci.